Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors franchement, très 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 belle musique. Ça me plaît beaucoup. Petite check dans les options. Allez, c'est parti. A letter for me? I never receive letters. Donc on se retrouve sur Tormented Souls, un petit jeu indépendant qui est sorti sur PC et PS5, peut-être Xbox Series, mais je suis pas sûr. Et là on se retrouve sur la version PC. Bien, mais ouvre-la. Ouais. Allez, première énigme. Oui, non mais ça, c'est bon, je sais lire. Là, ça a marché. Eh ben. Et hop. It's been 2 weeks since I received that letter from the Wildburger Hospital. Since then, I haven't been fine. I can't get out of my head the image of those little girls. I can't sleep. And when I am able to fall asleep, it's only to dream horrible nightmares. I need to know what's going on. What's the meaning of all of this? I'm going to the Wildburger Hospital in hopes of finding some answers about this strange photo. I need to know what's going on. Ça y est, on peut enfin jouer. Alors, on est sur un jeu à la survival horror style Resident Evil, PS1, GameCube et The Silent Hill, quoi. À l'ancienne, avec le déplacement tank. Je vais juste jeter un coup d'œil à la capture. Bon, ça a l'air de le faire. Hop là. Faut savoir que j'ai déjà
Mais j'ai déjà fait la démo sur la PS5. Et donc tout ça c'est jouable dans la démo, hein. C'est vraiment le début du jeu. Et c'était pas mal, j'avais trouvé ça sympa, donc je me suis dit allez pourquoi pas le prendre et puis le faire. Donc du coup on est sur PC, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus joli et plus... Un peu plus... Ouais j'avais oublié ça. Un peu plus sympa à capturer. J'espère que la qualité sera pas trop mal, hein. C'est un peu un test aussi. Parce que j'essaye un nouveau logiciel là que je connaissais pas, donc on joue à la manette Series X, on est sur PC. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs à lire. Ouais, bon, tout ça. Si, il y a une énigme là, je sais qu'il faut retenir une date. Le jeu a beaucoup d'énigmes, hein. C'est vrai que ça va rappeler les bons vieux temps. La PlayStation avec les allers-retours, etc. Voilà, déplacement tank. Donc la 360. Ah ouais, pour vraiment jouer en mode tank, il faut jouer avec le D-pad en bas. Ok. Et d'ailleurs, le jeu a un bug. Il y a eu des. Enfin, après ça, je sais pas. Enfin, il y a un bug en tous les cas sur PC, c'est que la manette, les manettes. Xbox One, 360 Series, etc. ne sont pas forcément reconnus. Et moi j'ai eu le problème et en fin de compte je me suis rendu compte que j'avais dans les paramètres Windows j'avais un comment ça s'appelle? Comme vous allez voir dans les périphériques, dans les contrôleurs, et en fait j'avais un autre petit logiciel qui émulait une manette. Et en fin de compte, il a fallu que je désinstalle, parce que ça me servait pour un autre jeu. Et ça venait se greffer par-dessus, en fait, le contrôleur Xbox pour ce jeu. Donc ça ne fonctionnait pas. Midi 35, je crois que c'était ça. Donc du coup, bah, j'ai fait ça, et bim, ça a fonctionné. Donc si jamais vous êtes embêté, essayez ça. Parce que bon, désinstaller le jeu, réinstaller, ça n'a strictement rien changé. Les mises à jour, etc. non plus. Donc, essayez ça. Là, j'ai dit midi 35. Merde, je me suis trompé. Juste, donc, du coup, j'y avais. Enfin, je l'avais testé la version PC en plus, au clavier souris. Donc, c'est vrai que le gameplay était un peu différent. Oui, très bien, j'ai récupéré un autre, enfin un cadenas. Là, je récupère la clé à molette. Voilà, hop. Là, je crois avoir tout fait. Alors, ça, c'est très important pour la suite. Parce que. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, moi, je le sais parce que j'ai été plus loin. J'ai fini la démo, hein, sur la PS5. Ça dure à peu près la démo, si on prend son temps, mais une bonne heure quand même pour la finir. Donc c'était sympa, franchement. Voilà, là vous voyez, là il n'y a pas de poignée. Alors ça c'est un des trucs, dans le jeu, ils ont quand même poussé le vice assez loin. Parce qu'on se dit, bah, je vais utiliser la clé molette. Bah oui, mais non, ça marche pas. Parce que la clé molette, elle porte bien son nom, il y a une molette dessus. Et la molette, on peut l'ouvrir. Et ça c'est génial hein, parce que enfin, je crois que c'est le seul jeu, enfin en tous les cas moi de ma vie de gamer, c'est le seul jeu que j'ai vu comme ça, donc c'est plutôt cool. Après, est-ce que ça servira vraiment à d'autres moments? Peut-être. Voilà. Et là en fait là vous voyez sur ma droite là, il y a une zone noire là. Je vais pas y aller. Parce qu'en fait, si je me rends dans cette zone noire sans lumière, je vais mourir. Donc les zones noires, les zones sombres comme ça, en fait, elles vous tuent. Donc là, je sais que ici, voilà, je vais récupérer un vieux briquet à gaz. Hop. Je vais m'en servir tout de suite, équipé. Voilà. Donc là, je suis équipé du briquet, donc ben, je vais pas, enfin, je risque rien, quoi. Voilà. Jeux de lumière sont franchement cool. Alors là, je vais aller là, mais non, je crois qu'il n'y a rien.
Bon, le jeu fait un peu peur, hein, si vous êtes claustro, vous avez peur au moindre screamer, au moindre. Je sais même pas s'il y a des screamers à vrai dire, mais ouais, c'est passer votre chemin, c'est pas la peine quoi. Moi j'aime bien, enfin l'ambiance comme ça, c'est vraiment cool. Là je peux pas. Notez bien la poupée à gauche, celle-là là. Voilà. Vous avez bien fait attention où elle est, hein. Vous verrez après. Si vous avez joué aux anciens RE, vous savez que vous êtes dans une salle safe, une salle de sauvegarde. Pourquoi? Parce qu'il y a la petite musique qui vous l'indique. Et ça, c'est un truc qu'ils ont viré depuis RE7. Il y en a une, mais alors elle est vraiment. Ça arrive pas du tout à la cheville des anciens, c'est vraiment dommage. Et là, c'est super parce que du coup, ils ont refait ça. C'est vraiment top. Et les musiques sont super belles. Fous. Et voilà, et justement, pour pouvoir sauvegarder. Eh bien, ça sera pas les rubans encreurs. Ça sera les bandes magnétiques dans les espèces de magnétophones. Et donc, du coup, vous pourrez sauvegarder ici, avec les magnétophones. L'instant, lui, il a pas bougé, ça me va. Le tank. Ah ouais, non, mais effectivement, le tank, oui, ça change tout. Si vous jouez avec le D-pad, ouais, il faut appuyer sur X pour pouvoir courir et vous bouger par rapport au personnage et pas par rapport à l'angle de la caméra. Ouais, ça fait vraiment comme les anciens RE, Dino Crisis, etc. Ça c'est chiant. Ah ouais, voilà. On s'en fout. Là, le plan. Ouais, mais c'est le plan. C'est pas le plan. C'est pas la carte à récupérer. Là, je... Voilà, la carte, elle est là. Voilà. Ça, j'ai récupéré. Je sais plus, je vais aller par là. C'est pas par là, c'est en bas. Cardiaque, attention. Oui, c'est bon. Ouais, parce que dans le jeu, on va avoir une cloueuse, hein, c'est pour ça que je récupère des items. Des munitions, entre guillemets. Ouais, il est mort. 23h34. Je sais pas si c'est un indice, je me rappelle plus. Petit travelling à la Silent Hill, ça c'est très très bien. C'est un beau clin d'œil quand même. Non, je crois. Non, c'est pas par là. Si? Non. Pas peur. Bon, les visages sont dégueulasses, hein. C'est vrai que c'est pas très très bien fait. En même temps, c'est un petit studio, bon, les décors sont très propres. On peut pas tout avoir non plus, quoi. My child, you are pale. What happened to you? Il n'y a pas les animations, c'est vrai au niveau du la in parole. A wheelchair with knives in his hands was chasing me. Bon, oh, it's you. Don't you remember me? I'm the town priest.
We met here in the chapel only a couple of days ago. What? I'm sorry. I don't remember you. I certainly don't remember coming here before. I see. Perhaps I'm mistaken. I'm old and get confused every now and again. What is going on here, Father? Where is everybody? The patients and the hospital personnel have been transferred to the new hospital in town. This old mansion has been left pretty much abandoned. Why are all the lights off? I don't like this. I feel the same. Something evil is happening here. Something wicked that hides in the shadows. Is there a way to turn on the lights? The old generator has been playing up. Go to the end of the hall and through the door that leads to the generator room. You can... I see. I'll do that. Wait. Take this with you. It's not much, but it might be useful. It's dangerous to walk around the mansion unarmed. Thank you, Father, but what are you going to do without a weapon? My child, with a Bible in my hand, God protects me. Et il me file quoi? La cloueuse. Donc, première arme du jeu. Alors ça, c'est le tuto pour la cloueuse. Ah d'accord, LTRT, je peux tirer. D'accord, ok. Ça, bon, on s'en fout. Je vois qu'il y a des munitions derrière, je vais aller les chercher. Doublage anglais qui sont franchement de très bonne qualité. Donc ça fait plaisir. Bon, bien sûr, le jeu est pas en VF. Bon, il est en voice TFR. Mais c'est pas mal. On peut pas tout avoir non plus. Ça fait déjà le café. Faut pas oublier que les RE, ils étaient quand même en voice TFR aussi. Voilà, là j'ai la deuxième arme, c'est Candish. Le problème, c'est que je ne peux pas... voilà. Ah ouais, si, je peux tirer les deux, d'accord. Bon, je vais peut-être me faire avoir avec le cloueuse, mais... On peut pas porter une lumière et puis une arme à une main, quoi. Enfin, pour l'instant, j'ai pas l'impression. Y a pas de la santé, là. J'ai dû halluciner. Et là, on va se servir du pied de biche. Parfait. Donc là, on arrive. Générateur. Ouais, non, mais ça, je sais. Voilà. Alors là, il manque une petite 20 quarts de tour, en fait. Et après, il va falloir régler la pression. Je sais pas si c'est de la... Je pense que c'est de la vapeur. Et ensuite, essayer de démarrer. Alors là, j'ai une nouvelle carte de zone. Ça, je récupère. Là, j'ai la fameuse 20 quarts de tour, donc je vais aller la mettre en place. Oula. Père, c'est repère, en fait, dès que la caméra change de plan, parce que quand on utilise le stick, l'angle se recalcule par rapport à la caméra. Pas comme avec le D-pad, comme à l'ancienne. Et ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc, des fois, on peut vite se faire déborder, je pense. Voilà, donc je les laisse tout ouvertes pour l'instant. Je vais les mettre en route et après il faut que je règle le débit. Hop. Voilà, ici. Donc là, je suis à 10 kg par sans doute centimètres, je sais pas. Je connais pas cette valeur. Non, en plus, j'ai dit une grosse connerie. Donc il faut être à 10. Donc je vais aller régler le débit par rapport au van. C'est pas du tout, faut pas démarrer d'abord. C'est une grosse connerie. Sauf qu'il y a un coup de bélier au démarrage. Et en fait, il faut être. Non, mais c'est encore au-dessus alors. Il faut être un tout petit peu au-dessus. Je crois que c'est ça.
passer 15 ans non plus. Hein. Allez, demain. Ah non, ça fait de 1. Merde, il fallait que je sois à 11 en fait. Ok. C'est bon. Voilà. Si je l'éteins, ça va pas trop le faire en fait. Je vais. J'en ai combien? 17? Ouais, je vais me servir de ça. Premier fight. Ah, il y a l'autolock. Ça, je savais pas ça. Je recharge. Voilà. Donc là, c'est pas la mare de sang comme sur RE PlayStation. C'est la musique qui se coupe quand, quand on a eu l'adversaire. Est-ce que là c'est ouvert, je sais plus. Je crois pas, non. Non. Pour l'instant c'est sens unique. Bon ben au moins j'ai mis la lumière, c'est pas mal. Il était là? D'accord. Ça, ça va être un peu problème parce que vous êtes dans un espèce de sein d'hôpital face à un manoir reconverti en, en ancien hôpital. Et vous allez vous perdre assez facilement. Je sais plus. On va pas aller dans le noir. Diable. Là, je peux pas y aller. Là, je sais plus. Non, je crois pas. Non, c'est pas là. Là, je peux pas. Je sais que la porte est verrouillée. Il faut une clé spéciale à droite. Là, oui, maintenant, je peux y aller. Voilà. Alors là, c'est encore une petite énigme. Voilà. Sauf que là, on peut rien faire en l'état. Puis de toute façon, j'ai pas. J'ai pas ce qu'il faut. Ça sert à rien que j'aille. Là, je crois qu'il y a un truc dans l'armoire. Je récupère. Ah non. Je récupère ça, ouais. Par contre, ça sert à rien que je passe par la trappe pour l'instant. Il me manque un item. La glacière, je peux l'ouvrir? Non. Je croyais. Non, demi-tour, je me suis trompé. La planche cassée, là, ça rappelle RE, là, quand on arrive dans la cabane avec l'espèce de plante, là, qui essaie de vous agripper. Comment ça m'avait fait sursauter la première fois? Je m'attendais pas du tout à ça. Là, je crois qu'il y en a deux ou un, je sais plus. Merde, j'ai esquivé. Oh. Ouais. Ah, c'est qui me balance de l'acide. Ah bah d'accord.
Caroline, attention, hein. Attention, Caroline. Je suis où dans les munitions? J'ai plus grand chose. Oui, bon, ça c'est encore pour nous expliquer que c'est un vieux cimetière indien où l'hôpital a été bâti, comme d'habitude. C'est toujours les mêmes conneries. Je sais, je me souviens plus s'il faut que j'aille là. Ah ouais, là je suis en danger. Soigner, ça je m'équipe et je vais te marrer. Faut être sûr. Oh, le vol planique, il fait quoi? Par contre, j'ai dû oublier des munitions, c'est pas possible. Voilà, c'est ça qui me manquait, parce qu'avec les deux, vous combinez, tac tac, et vous faites un cœur en plastique. Voilà. Ah ouais, c'est pas cool, ça. J'ai déjà plus de clous, ça va pas trop le faire. Ça. Alors ça, je prends. Je crois que je vais m'en foutre un petit coup tout de suite. Le journal de William. Ouais, si tu veux. Bon, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, j'avais déjà tout lu dans la démo. Puis là, je crois qu'il n'y a rien de... Rien de très intéressant pour le moment. Voilà, c'était ça que je voulais. Et oui, il a des instruments dans le corps. Et c'est écrit à l'aide. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Pas tenter le diable. Équiper, combiner. Voilà. Eh oui. Et le bébé, la poupée bébé, hein, ce qu'on veut là, ça a bougé. Encore une saloperie de poltergeist. Je suis venu là tout à l'heure. Sauvegarde. Je tente le diable, je sais. Parce que là, sans sauvegarder, on meurt, mais c'est game over, on recommence tout à zéro. Il n'y a pas de save automatique ni quoi que ce soit. C'est vraiment à l'ancienne. La map, là, je sais plus. Je suis ici. Ah, il y avait les toilettes privées. Le cabinet dentaire, il y avait deux portes. J'ai pas fait attention. Ah bah peut-être. Je vais voir les toilettes privées. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Oh là là, à chaque fois je me fais avoir. Ah oui, non, non, mais c'est pour ça que je peux pas passer de l'autre côté, le plancher est cassé. De toute façon, ça sert à rien. J'aurais fait le tour. C'était ici, non? Ouais, la maternité, oui, si, c'est ça. Voilà. Ah ouais, elles ont l'air très joyeuses. Un peu joviales. Allez, on va passer par là. De bande, ça je prends. Les objets ne sont pas en surbrillance. Hein. Donc vous les avez loupés, c'est tant pis pour vous. Hein. C'est vraiment à l'ancienne. Alors là, c'est la fameuse énigme. Très difficile. Et là, on arrive dans Silent Hill.
que dalle. Ah merde, j'ai oublié qu'il y en avait un. Ça, c'est pas cool. Oh, j'ai tiré à côté. Quoi? C'est une blague? Ah, mais ouais, je pensais que c'était un autre à fauteuil roulant. La musique ne s'arrête pas. C'est étrange. Oh mon dieu! Oh mon dieu, elles ont plus de dieu! Et ça fait chouette peur! Bon. Oh bah là, attention, il y avait que dalle. Alors là, ce qu'il faut faire, faut remettre le cœur en plastique dans le bébé. Voilà. Voilà. Ah ouais. Ah bah ouais. C'est sûr qu'il était vivant. Là, je peux rien faire. Allez, hop, on fout le camp d'ici. Attention, faut que je me méfie quand même. Et là, je vais pouvoir récupérer la clé sur le cadavre. Voilà. Je vais faire. Mettre le courant. Voilà. Voilà. Je combine. Et voilà. En fait, c'est le cadavre là, entre guillemets, qui a disparu après. Bon, je vais pas y retourner, je m'en fous un peu. Je suis en train de réfléchir. De toute façon, faut que je passe par là. Ah oui, d'accord. Bon, le jeu est pas parfaitement optimisé, mais ça va. Ça va, ça tourne bien. Dans l'ensemble, c'est correct. Bah, je vais sauvegarder. Ressources. Hop. Et je te mets là. Et je record. Oui. Ouais, an old magnetophone. It looks like it works. Recording my progress might be useful if anything happens to me. My name is Caroline Walker. I came to Wildburger Mansion seeking information about two girls in a photograph I received in the mail a couple of weeks ago. The last thing I remember before losing consciousness was arriving at the hospital and entering the mansion's main hall. I remember pain, and then nothing. I woke up sometime later connected to a ventilation machine. And my eye had been removed. Why? Why would someone do such a thing? I don't know what the hell is going on in this place, but I need answers. Every time I close my eyes, I see those girls. Am I going insane? Voilà, et vous avez le petit résumé qui vous explique ce qui se passe. Mais oui, Caroline, tu es en train de devenir folle. Ça, c'est quasiment... quasiment certain. Donc là, je vais utiliser ça. J'espère que ça... normalement, ça fonctionne.
Là, c'est tellement heureux, quoi. Mais tellement. Avec la petite musique qui va bien, c'est génial. Bon, alors, on va explorer un petit peu, là, voir s'il n'y a pas d'autres conneries à loot. La sonate du clair de lune. Moi, je vais jouer ça. Non, je vais pas passer les portes pour l'instant. Je fais juste ma petite ronde hebdomadaire. Peur, ça? On dirait un ascenseur. Ok, d'accord. Voilà, j'ai bien fait me faire avoir à cause du noir. Faut pas l'oublier. Hein. Bon, ça, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Oh bah oui, ça doit s'ouvrir avec l'énigme là. Est-ce qu'ils ont mis quelque chose? Non, y a rien. Que dalle. Allez, zouf. À faire avec la statue, mais pour l'instant j'ai que dalle. Donc... Bon, ça s'ouvre. Il y a des choses intéressantes dans cette pièce. Calendrier, le 16 décembre 94. Ça ne rajeunit pas tout ça. Lecteur de VHS. Alors il est vide. Alors il y a une porte. Genre, je t'ai pas vu, toi. Un lecteur de disquette. Ah, la santé, ça m'intéresse. Donc là, ça doit être fermé. Ok. Ah ben voilà, Aziz Lumière. Merci Aziz, on y voit beaucoup mieux. Bon là, il y a notre cousin. Je sais pas si je peux les avoir comme ça. Il est tout gentil. Bon, tu dors? Ah, encore une salle de sauvegarde, bah, décidément. Ça m'intéresse. Ah, je peux écouter des battements de cœur. Intéressant. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait. Ah, très bien ça, impeccable. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Il y a encore une poupée, une saloperie là-haut. Est-ce que je sauvegarde? Non, je peux sauvegarder. Pas tout de suite.
j'espère qu'ils restent. Quelque chose me dit qu'ils vont se réveiller, ces enfoirés. Je peux aller là. Non, c'est locked. Vu qu'ils se réveillent pas, ces statues. Là, j'ai dit, là, je peux pas y aller. On va aller voir l'autre. Par contre, la vitesse de frappe, elle est très très longue au pied de biche. Après, c'est normal, vas-y en vrai, essayer de taper avec un pied de biche comme ça, rapidement, tu vas voir. Il manque un heurtoir. Ah! Ah ouais, c'est bon, je sais ce que c'est qu'un heurtoir. À la bonne heure! Bon, alors, passons par là. On va revenir sur mon pas. Il y a un truc là ou... Et ouais, il y a une trappe. D'accord. On va sortir de là. J'étais où? À l'étage. Ouais. Là. Ok, si tu veux. C'est fermé depuis l'autre côté. Très bien. Rien là. Ah, y a que dalle là. Si, y a... Ah, y a un loquet derrière, sur la porte. Donc, si ça se trouve, on doit pouvoir le... Ah, mais je peux pas passer ? Bon, visiblement, ça a l'air d'être pété au sol, mais ouais, on voit pas bien avec l'angle de caméra. Bon, bah, je vais redescendre, là. J'avais trouvé quoi ? Un stéthoscope, ouais. Ça, je m'en fous pour l'instant. Ça, je pense que c'est un ascenseur. Ouais, de toute façon, c'est verrouillé, ça m'étonne pas. Et le hall. Ouais, d'accord. C'est probablement la sortie du niveau, ça. Bon, là, j'ai rien. Bon, ben, y a plus que là maintenant. Il y en a un autre ? Visiblement, il y en a un autre qui se balade. Hop, hop, hop. Voilà. Oui, ben ça, je viens de le récupérer. Au revoir, merci. Je sais pas où il est l'autre. C'est ouvert, là ? Non, il faut une clé encore spéciale. Un serre-coin. Bah ben, ouais, mais j'ai pas de souffle. Je vais en prendre vu que j'en ai assez sur moi. Jésus, reviens! Ouais, d'accord, mais quoi d'autre? Là, il n'y a pas un truc là? Je m'en doutais. Bon, visiblement, ils ont l'air d'être un petit peu vicieux quand même pour cacher les choses. Ah. La cuisine. Ah non, hein, c'est moi, et Schmitt. Je peux... Il n'y a rien du tout à crafter là. Ouais, ça a l'air bien. Chouette, du givre. Visiblement, on peut foutre quelque chose dedans. Non, je sais pas ce que c'est. Tu ne quitteras jamais cet endroit. Ça, c'est ce qu'on verra. Ah. Ça avait l'air bon. Je vais fouiner les poubelles. Non, y a rien. Ça, c'est encore la grève des éboueurs, comme d'habitude.
putain, la roulette. Je tente. Mais j'ai appuyé. Non mais sans déconner. Putain, j'appuie exprès là pour faire là. Allez, une balle de crâne pour rien. J'appuie pour faire ça et ça marche pas. L'esquive pas top, hein. Faut vachement anticiper en fait. Hein. Ah, il y a un ordinateur. Système de sécurité de la porte, insérer la disquette pour inscrire le mot de passe. Il faut une DDK. Ça, c'est ceux qui ont la référence, bien joué. Putain, non, c'est son nom. Il y a bien des conneries ramassées, là. Même pas ? Il n'y a rien à ramasser. Acide nitrique. On va concorder le métal. Ok, si tu veux. Pas trop à quoi pourrait me servir, mais bon. Ah, c'est déverrouillé. On arrive où? La chapelle. Là. Ah, le heurtoir. Ça, ça me plaît. Ça. C'est pas du tout, on est parti. Mais on est parti. Bah ouais, c'est ce que je vois, c'est un chargeur de batterie. Ouais. Donc c'est bien. Ah, ça, ça m'en plaît. Je prends. Voilà, il y a un bruit de monstre, mais je vois pas de monstre. Impeccable. Retourner à la cuisine. Ok. Tour. Alors, attends. Je suis là, là. Au bout de mon doigt, je suis ici. Donc il y a là, il n'y avait rien d'autre. Là, il y a un ascenseur, effectivement. Putain, là, faut la clé. Je peux aller au studio, je vais voir ça. On peut se faire avoir dans le... Non mais j'hallucine. Parce que là la vision est en train de changer, il y avait des artefacts verts et tout. Donc ça c'est pour vous dire que vous allez vous faire avoir dans le noir. Des cartouches de fusil, ça c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y aura un fusil à pompe ou un fusil canoncier. Donc ça c'est très bien. Bah ça je prends. Et que dalle. Oui bah je commence à le savoir que j'aurais pas dû venir là. Ça, c'est la statue qui est dans l'escalier, ça. Elle est vivante? D'accord. Est-ce que je sauvegarde? Non. Je peux pas couper mon truc là. Ah bah ouais. D'accord, ça c'est le piège. Il y a forcément un truc pour remettre le courant. Bon, pour l'instant, je vais sortir du studio. Je reviendrai là après. Juste
juste aller voir ici s'il y avait quelque chose à récupérer. Eh ben, lâche-le. Voilà, d'accord. Alors, je croyais que je pouvais l'emmener partout, mais non, peut-être pas déconner. Eh ben oui, forcément, il doit pas y avoir de courant et une autre connerie comme ça. Donc là, ça ne fonctionne pas. Bon, je vais laisser de garder et je vais me risquer là-bas à voir ce qu'il y a. Peut-être rien. Ressources, save, hop, et hop. Bon bah allez, hein. Go. Je peux allumer la lumière. Je ne savais pas. Bon, là, je pense qu'il m'a aggro, là. Parce qu'il a pas l'air tout ronron. Chiotte. Ah! Non, non, c'est bon. Commence à me saouler, là. Là, je vais te finir au sol. Faut bien que je vise. Pan et pan. C'est bon. Voilà. Une saloperie de moins. Pourquoi j'ai pas pu combiner là? Voilà. On peut même pas aller aux chiottes tranquille là. C'est quoi ce bordel là? Non, mais sans déconner. Et voilà. Alors là, il me faut vite. Voilà. T'énerve pas, calme-toi. Un jeune enfant dans les chiottes. Ouais, bon, c'est pas très très intéressant. Oh putain, fallait qu'il soit là. Lui. Allez, vas-y, poursuis-moi, vas-y, viens, viens. Viens. Il est juste devant la porte, il te dit coucou. Ouais, d'accord. Il porte ça, non? C'est une poignée qui sent le soufre. D'accord. Bah c'était pas un ascenseur en fait. Donc, putain, je suis en attention. Voilà, une petite dose. Hall principal, donc je suis là. Ah, je sais pas ce qu'il fallait. Il y avait une espèce de corde là. J'ai pas. À moins que ce soit de la tresse métallique, je sais pas. Je retourne voir. En espérant qu'il se soit barré. Ouais, c'est bon, ça a l'air. J'ai pas envie de le buter parce que je vais perdre déjà des munitions, ça me fait. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde grave.
marchera pas de toute façon. On entend que oui, il y a quelqu'un dedans, mais... Ça sera pas... Tu as qu'une poignée, ça sent le soufre. À partir de fusil de chasse. Ah, d'accord. Je savais pas. Par contre, je sais plus si... si c'était ici ou... Merde, j'ai déjà oublié. On s'y perd, hein. De toute façon, là-dedans, c'est... C'est vraiment, vraiment chaud. C'est peut-être dans le coin, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Demi-tour. Ça, c'est la disquette. C'est celle-là, je crois. Oui, c'est ça. J'ai pas retenu la séquence du battement de cœur. Je suis sûr que c'est ça. On va y retourner. Sinon, je comprends pas trop à quoi elle sert, la statue. Encore gouré, hein, c'est pas possible. C'est pas ça? C'est ce que j'ai entendu, moi. C'est quoi cette connerie? Il n'y a pas de... J'ai mis un bug. 1, 2, 3, 1, 2. Seuls ceux qui connaissent le cœur battant de la création de John Gibson peuvent entrer. Bah oui, mais c'est ça. 1, 2, 3, 1, 2. Je piche pas là. Je suis pas sur le bon tempo. Mais c'est ça l'énigme, c'est sûr. Thank you.
Oh là là, faut vraiment le tempo précis. Hein. Faut penser à une chanson en fait. Sinon c'est foutu. C'est quoi ça? Alors visiblement il y a un truc en haut. Je récupère tout de suite. These girls are the same twins as those in the photo. The ones that will awaken the devil are ready for their operation. It seems like the girls are being prepared for some kind of surgical procedure. If I don't find them soon, something terrible might happen. The plaque says Anna and Emma. These girls are the same. The what? Je sais, non, mais j'ai déjà lu. Hein. Alors, il y a bien un truc en haut, je sais pas du tout ce que c'est un nouvel ennemi. Bon, j'ai déjà foutu pas mal de dégâts, donc. Il devrait pas être très résistant, je pense. Il y a rien d'autre en fait à récupérer. Il y a une porte. Est-ce que ça, je peux monter dedans? La clé. C'était évident. Ouh, c'est pas passé loin. Mais fallait le savoir que ça descendait, mais ça me l'a pas fait sur les autres. Ah d'accord, ouais. J'en suis où là des ressources? Voilà. Dining room. Intéressant là-dedans. Non, le vieux qui est là. Au calme. Au KLM, je bouffe ma soupe. Il n'y a même pas de bruit. Ah, il m'a pas surpris, mais j'aurais été un peu plus concentré. Ouais, j'aurais peut-être un peu sursauté. Ouais. C'est n'importe quoi. Ça va? On prend le frais, c'est ça? Il n'y a rien à récupérer, qu'est-ce que c'est que cette merde? Un petit item, non? Ah bah le journal de... D'accord. Je peux le lire? Ok, si tu veux. Oui, c'est super. Ça apprend beaucoup de choses. Ah, we meet again. Father, what are you doing here? Il s'est tapé. Don't you see, child? I'm eating some soup. God feeds my spirit, but I have to take care of my body. Oh my, what is this doing in my soup?
get rid of this thing, would you? I found some information about the twins. I think someone means to perform surgery on them. I see. There is an operating room on the west wing. I don't know, but I'm going to find out. Oui, je vois pas pourquoi tu me donnes une CHC, je sais pas, ça doit être du 10. M10 ou M8, je sais pas trop. Par. C'est quoi, c'est du 125 150 le filetage. Et la longueur, je sais pas, à vue d'œil, c'est difficile de se rendre compte comme ça, mais. C'est pas peut-être du 60 par 60 mm. Ah oui, je suis un professionnel de la profession, tout à fait. You said that operating room is on the west wing of the mansion, right? That's right. The operating room is on the west wing. But to get there, you will need to restore the power to the electric lock. I'll see what I can do. God be with you. Je te remercie pas trop parce que j'ai pas vraiment eu besoin de toi en fait là. Tu m'as juste donné le gun, c'est tout. Ah, enfin encore la fameuse clé. El famoso key. Je vais aller voir là-bas. Cool, je suis arrivé de l'autre côté, donc voilà, le sol était bien défoncé. Ok, no problemo, j'ai fait louper les boulettes. Un fil à la place du fusible. Du moment que tu as la bonne section, il n'y aura pas de soucis, ça prendra pas feu. Mais bon, faut pas le faire. Ça, c'est un bon moyen de foutre le feu. Mais quand vous êtes vraiment dans la galère, bah, c'est la seule solution que vous avez sous la main, bah, c'est ça. Bah, là, de toute façon, je. Ah, bah si oui. Effectivement, on peut foutre un boulon. Hein. Je comprends mieux l'utilité du boulon. Tout simplement. Alors est-ce que... Ouais, allez, on va aller voir. Je cherche même pas à comprendre, je saute dessus. Il y a encore une nouvelle L. Eh hey, cousin, comment ça va? Non. J'ai cru qu'il allait m'avoir avant que je recharge. D'accord, donc il y a encore une toute nouvelle zone. C'est cool ça. Oh, l'ascenseur fonctionne. Ah, c'est le même problème. Ah, ça c'est pas cool ça. C'est un ennemi dedans ? Non, je crois que c'est un mort. Ah, une trousse de secours. Ça, c'est bien. Pas branché, là, ça, je peux l'ouvrir, oui. Oui, ça me plaît. Ça me plaît moins.
planque les cadavres dans le sol. Ah, des cartouches, impeccable. Bon, je peux toujours pas avoir le pompe, ça c'est dommage. De toute façon, on va s'arrêter là. Moi, je vais sauvegarder. Hop là. On va s'arrêter là pour la première partie. Et j'espère que l'enregistrement n'aura pas déconné. Nightmarish creatures. I need to be strong. I can't quit now. I've discovered that a surgical procedure is to be performed on two twin girls. I hope I can get to the operating room in time. There's something dark going on. Je pense qu'elles sont mortes les jumelles, mais bon, on verra ça dans la suite. Allez, à la prochaine.